Voilà, aujourd'hui on va écouter nos frères, nos amis.
Partager, 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 partager. Il faut qu'on soit nombreux avant qu'on commence à parler. Yeah. On va jouer qui? Ok. Voilà une autre. L'une des grandes stars de la forêt qui fait la fierté aussi, qui a besoin de soutien, comme tout le monde. Voilà, partagez la vidéo, partagez pour qu'on soit nombreux. Voilà, allez, c'est parti. Spike et GN de 124 Musique TV, la meilleure des chaînes musicales du monde. Abonnez-vous. Partagez, partagez, partagez mes frères, partagez pour qu'on soit nombreux. Ça commence à monter et ça me va droit au cœur. Et... il s'appelle La Pala, une des grandes inspirations de la forêt, un jeune qui a besoin de soutien. Voilà. Merci ma chérie, Cécile Théa. Partagez, partagez, partagez. Théodore Abba. Partagez, 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 il faut qu'on soit nombreux, partagez. Partagez, partagez, on n'est pas nombreux, partagez, partagez, partagez.
Voilà, partagez, partagez, partagez. On doit être nombreux. Partagez, 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 partagez. Il faut qu'on atteigne un nombre pour qu'on puisse commencer. Yo. Yo. Monsieur Lakpala. Ah ouais? Hey.
Merci, nous étions avec les jeunes frères, les bérets internes. Alors, pourquoi tu as coupé? Nous étions avec. On va parler un peu, après on va faire la musique parce que ils sont beaucoup, les jeunes frères ils sont beaucoup, les amis ils sont beaucoup. On va. Après, on va jouer certains de leur musique pour pouvoir écouter un peu. Tant pour les dire que je ne les ai pas oubliés, qu'on est, je suis de cœur avec eux. Donc, voilà. Aujourd'hui, les nouvelles sont bonnes avec moi. Comme vous le voyez, toujours choco, toujours propre, toujours prêt pour voilà, relever ces défis que j'ai lancés. Relever le défi de cette culture qui est ici, dans mon cœur, avec mes frères qui sont, je crois, maintenant, qui ont même fini de faire la réunion du côté de Lambayi, dont je tiens à remercier tous ceux qui ont répondu à l'appel aujourd'hui, les remercier et les dire d'attacher les ceintures parce que c'est un combat, pas seulement pour maintenant, mais c'est un combat qui va continuer pour des siècles et des siècles. Amen. Aujourd'hui, les nouvelles sont très bonnes. Je vous avais promis avant-hier de vous annoncer quelques surprises que votre artiste est en train de mettre en place actuellement. Et comme vous le voyez, il y a juste un petit problème que je dois discuter avec vous pour que vous puissiez comprendre. Parce que sur Facebook, Parce que depuis, on a mis femme de chance, je vous avais dit si on atteignait au moins 100 000 vues, on commençait le clip. Parce que c'est vos vues là, j'ai besoin de vos vues pour me prouver que ouais, je suis soutenu. Alors, sur la page, comment on appelle, Facebook, nous étions à 15 000 abonnés. Aujourd'hui, nous sommes avec le travail qui est en train de se faire sur la page avec les professionnels qui sont en train de bosser sur la carrière de votre artiste maintenant, qui se sont engagés volontairement. Le jour à venir, je vais vous les présenter, vous allez les connaître. Et ce sont des jeunes qui se sont engagés spécialement pour accompagner votre frère dans ce combat. Et ils sont en train de bosser sur la page. Alors, depuis qu'ils ont commencé à bosser, nous sommes montés jusqu'à 15 000 et 16 000. Mais vous, les 16 000 sur Facebook, c'est très simple. Je veux que vous partiez en même temps sur YouTube. C'est-à-dire, vous abonnez en même temps. Si on est 16 000 abonnés sur YouTube, là, ça va m'aider.
J'ai besoin de beaucoup, mais vous qui êtes déjà sur YouTube, Facebook, je veux que vous partiez sur, comment on appelle, sur YouTube. Vous qui êtes déjà abonné sur ma page Facebook, partez vous abonner sur YouTube. Comme ça va nous aider. Ça va m'aider parce que vous-même, vous le savez actuellement, c'est vos vues là qui vont faire de moi qui vont faire de moi l'artiste que vous voulez le voir. C'est les vues actuellement qui lancent l'artiste. C'est les vues qui font que les grands producteurs courent derrière les artistes. C'est les vues qui font que on gagne un peu. Alors, si vous avez besoin, je sais que vous avez besoin de ça. Vous voulez me voir, comme vous vous dites toujours dans vos commentaires, vos suggestions. Il faut que vous partez directement, vous qui êtes sur la page, vous partez directement sur l'autre côté. C'est juste. Quand tu appuies sur le lien de la vidéo qu'on a lancée, quand tu appuies, ça va t'envoyer directement sur YouTube. Quand ça va sur YouTube, il y a un petit bouton à côté. Tu cliques là-bas. Clam! C'est écrit là-bas, s'abonner. Ce n'est pas difficile. Donc, je crois que vous allez informer les autres pour qu'on puisse être nombreux. Parce que c'est grâce à ça que on va choisir. Alors, je vous avais promis que j'allais vous annoncer une bonne nouvelle cette semaine, c'est-à-dire aujourd'hui. C'est deux nouvelles même. Le premier est que à partir d'aujourd'hui, désormais, pour que vos oreilles soient nourries, vos oreilles soient. Parce qu'il y a le goût dans les yeux. Comme vous me voyez là, il y a d'autres. Vraiment, ils ont envie de me voir. C'est le goût des yeux, ça. Mais il y a aussi le goût dans les oreilles. Alors, il faut que je vous mette à l'aise les dimanches pour rendre vos dimanches merveilleux, joyeux et bons. Chaque dimanche, à partir d'aujourd'hui, comme je vous le parle, ça va commencer demain. À partir de demain, je vous fais Aubin live. Aubin live, c'est-à-dire, je vous ferai chaque dimanche un morceau en live. Chaque dimanche, je vous fais un morceau en live. On va commencer par les anciens, les premiers. Du premier morceau jusqu'à aujourd'hui, chaque dimanche, je vais vous faire un morceau en live. Les samedis, on parle, on rit. On se taquine et le dimanche on fait le live. Mais j'aurais besoin de vous, c'est-à-dire j'aurais besoin de vous pour qu'on soit nombreux. À chaque fois, toi qui n'es pas déjà abonné, à chaque fois que tu te connectes, abonne-toi. Toi qui es déjà abonné, que ton ami n'est pas abonné, dis-le de s'abonner. Parce que je sais que vous êtes nombreux et je sais que ce défi, on peut le relever. Alors, il faut que vous vous abonniez. Maintenant, la deuxième nouvelle qui est bonne pour nous, vous m'avez dit de commencer à faire du travail. Je vous avais promis, avec mes frères qui sont en Guinée déjà, qui sont en train de travailler, je vous avais promis que le boulot va commencer. Alors, je suis rentré en contact avec un artiste international canadien ici, qui vit à Montréal ici. Excusez-moi, qui vit à Toronto et qui est tombé, qui a apprécié la manière de travailler de votre artiste et qui a accepté de former un groupe avec moi, de travailler avec moi. Donc cet artiste, il sera là. Nous sommes chez nous à la maison comme ça. C'est chez nous au salon. Demain, il sera là. Je n'ai jamais vu tellement qu'il a apprécié ma manière de travailler. Et personnellement, j'ai apprécié sa manière de travailler parce que tout à l'heure, je vais balancer ses vidéos sur ma page. Vous allez partir le voir. Vous allez voir et puis vous allez m'apprécier. Vous allez dire, ouais, c'est un génie. C'est un génie. C'est une star canadienne, internationale. Il vient demain. Et le dimanche, je fais le live avec lui. Et le dimanche, nous rentrons, nous commençons notre
premier single avec lui au studio. Nous allons causer aussi ensemble au studio quand nous serons au studio ensemble avec lui. Alors, c'était les nouvelles que j'allais vous annoncer. Nous avions eu, avec la bénédiction de Dieu, faire la collaboration avec un artiste international canadien qui se déplace de Toronto pour venir spécialement pour le featuring. En temps normal, c'est moi, je devrais aller. Mais il a dit, je viens. Parce que c'est un monsieur, il est gentil. Il appréciait la manière de travailler de votre Nekadjou. Le bling bling. Le putrimbe. Il dit, il va venir et on va vous faire quelque chose. Donc dans ces 2 jours, restez connectés. Le travail commence demain. Demain, il vient, je vais lui faire, il va vous parler, mais je veux que c'est un secret, il faut que vous soyez membre, pour que quand il vient, il sache que ouais, il va comprendre que ouais, moi aussi, il y a des, hein, donc il faut que vous soyez membre, voilà, ça dit quand je clique le direct sur moi, vous êtes 500, il va dire, hein, voilà, donc vous qui êtes là déjà, informez les autres, demain, on va faire chez vous là-bas. Parce que voilà comment nous allons faire le programme. Quand chez nous, en Afrique, on va le matin à l'église. Nous aussi, on va à l'église ici. Mais comme ce n'est pas les mêmes heures, vous allez à l'église le matin. Vous allez revenir vers 13h. 14h, vous reposez. 15h, d'autres vont dans les cérémonies. Après 15h, 16h, 17h, 18h, 19h, les gens sont rentrés à la maison. On commence le direct à partir de 20h. Ça trouve que tout le monde est à la maison. Tout le monde, même ceux qui veulent aller se chiller un peu, sont à la maison. D'abord, ils prennent les, ils se débarbouillent un peu pour aller... oui, c'est ça, on va faire à 20h. Roby premier, on va faire à 20h parce que 20h, ça trouve que les gens ont fini de faire les courses et d'autres sont déjà quittés dans les cérémonies, ils sont rentrés à la maison, ils sont prêts pour aller chiller un peu. Donc, on fait à 20h, heure de chez nous là-bas. Voilà, on va faire à 20h demain, heure de chez nous là-bas, pour que tout le monde puisse être là, parce que je ne vais pas avoir, je ne vais pas hantir devant le monsieur là. Hein? C'est pas bon. Parce que quand il a vu notre clip, fallait me dire, il a vu que c'est vraiment du travail qui a été fait et il a apprécié le travail. Et quand je suis allé vers lui, parce que c'est quelqu'un, non, c'est no comment, c'est une star, non. Je vais vous envoyer cette vidéo, vous allez voir. Et c'est grâce à vous que, ça, que c'est là, ce miracle c'est arrivé. C'est grâce à vous. Parce que vous m'avez dit que vous êtes derrière moi, que vous n'allez jamais me laisser tomber, que nous allons partir jusqu'au bout. Alors, nous avions eu un deuxième frère ici. Il s'est engagé d'être avec nous. Et grâce à vous, il vient avec moi en Guinée. Il va venir avec moi en Guinée. C'est un deuxième frère à nous. C'est un deuxième frère. C'est-à-dire, c'est votre frère, c'est votre ami. Donc, à partir d'aujourd'hui, quand je vais, déjà, demain, je vais balancer ces clips. Vous allez voir, à chaque fois, il faut aller aussi chez lui pour choser parce que c'est une star ici. C'est une grande star. Je ne peux pas imaginer. Tu ne peux pas imaginer. Donc, c'était la nouvelle que j'allais vous informer, que j'allais vous donner aujourd'hui. Alors, maintenant, par rapport... moi, je ne vais pas parler de... J'attends quelques surprises encore demain. Et encore une autre surprise, quand il sera là, on va vous annoncer. Donc, voilà. Merci, Roby Premier. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Roby, parce que merci, on a besoin de ça. Quand tout le monde est là, on est, c'est-à-dire tout le monde est mobilisé, on dit à 20h, le petit, notre fiston, il sera en direct avec son ami pour ne pas que Zoa honte devant moi. Monsieur là, si je fais clin et puis il voit il y a 100 personnes en ligne, c'est pas normal. Ou bien il fait clin et puis on voit il y a 40 personnes, c'est pas bon. C'est pas bon. Il faut que quand on fait. Ça fait vivou, 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 vivou. Et puis c'est 500 comme ça. Et puis il dit,
Voilà. Donc, dès maintenant, là, on va essayer. Partager au moins, on va atteindre 500 personnes. Parce que là, on est déjà à 100 et quelques. Donc, partager, on va atteindre 500. C'est essayement. Partager, on va essayer, voir. Le temps que je vais mettre un morceau de notre frère, Génito le son. Partager, le temps qu'on va écouter le morceau de mon frère Génito le son, qui dit. J'adore ces jeunes-là. On a besoin de soutien. Il y a des vrais musiciens. Mais on a tous besoin de vraiment. Atia, 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 Atia. Faut pas me faire honte de m'aider. Parce que quand on est à 100 et puis ça fait fiou, ça descend en vrai avion. Faut monter. Ouais, et puis ce jeune, c'est un ami intime à Davido. Je vais vous envoyer son clip, vous allez voir, il est avec Davido même dans son clip. Donc, faut pas dire à quelqu'un. Je vous ai promis. Ok, je vais mettre Génito le son. Il a fait le morceau avec. Le Bélé Bélé Ba, Ernest Beldoré. J'adore ce morceau. Génito, le son. À monter, monter, monter. Il faut qu'on atteigne au moins 500. On est en train de faire essayement là. Faut pas retarder là. Faut pas me faire honte de me dire. Si je suis honte là, je vais pleurer là. Génito le son, Génito le son, le son, Didier Génito, Génito le son, Génito. Fais spécial dédicace à Génito parce que j'étais pas à son concert. Génito, après on va aller avec Wiz Khalifa, après on va aller avec Tout Petit, après on va aller avec Zokalala Premier, après on va aller avec mon fils. Parce que lui et MC Kokori a concurrence entre Georges Loua. Voilà, c'est mon fils, ça. Génito. Génito, le son. Donc aujourd'hui, on va rendre visite à nos frères, on va écouter leurs morceaux. Mais le temps que vous aussi, partagez, partagez, partagez. Allez-y, vous abonner sur le truc là. Allez-y là-bas, faites clin, clin, clin. Faut pas me faire un petit demain. Eh, nyamien. Voilà, on est d'abord à combien? Ça y a qu'à faire ça, mal à l'aide. Ah ouais. On a essayé moi comme ça. Faut monter, faut monter. Hein? On va atteindre 500 comme ça, c'est bon. J'ai mis tout le son. Tout le son. Génito. Les frères, on est nombreux, on peut pas jouer le morceau de tout le monde, mais on va juste jouer ceux qui sont aujourd'hui sur la. Demain, on va jouer aussi pour d'autres personnes. Ils sont beaucoup, les amis, les frères, ils sont beaucoup. Génito. Voilà, il est là, le blême-là. Le blême-là, c'est ça même le morceau qui est là. Assouma! David, on est là.
Vous allez sur YouTube, les sons là c'est tout sur YouTube. Cliquez, cliquez. Ils ont besoin de plusieurs vues pour se faire de l'argent. Écoutez le morceau, comment c'est joué. Thank you.
merci. Si tu me vois, Génito le son. Alors, c'était ton frère Neredjirou. C'était une manière de t'encourager parce que tu as fait un bon boulot. J'ai écouté tes sons sur YouTube. C'est vraiment du costaud. Tu mérites d'avoir du soutien. Et je demande à tous les autres aussi de travailler comme Génito a fait. Comme, voilà. Et je demande aussi à nos frères de soutenir les frères. Parce qu'un homme sans culture, c'est comme un arbre sans racines. On a besoin de vous. Parce que sans vous, nous ne sommes rien. Alors, voilà. Génito, c'était vraiment ton coucou. Et tes mots d'encouragement parce que c'est seule l'union qui fait la force. Donc on est ensemble et respect à toi. Alors nous allons partir. Je suis ne soyez pas surpris de me voir en train de gorger parce que moi je suis le fils d'un journaliste, feu papa Abel Théa. Ceux qui l'ont connu l'ont connu. Ceux qui l'ont pas connu, demandez à renseigner quoi. Donc je suis le fils d'un journaliste, un chanteur journaliste. Voilà, donc ne soyez pas surpris de me voir en train de gorger, quoi. Moi aussi, c'est pas moi. C'est depuis l'autre côté. Mon baba, là, il avait trop de charisme, you know. Et les gars, c'est allé le tuer. Le vieux, même là, non, c'était un boucantier. Donc, voilà. Ne soyez pas surpris de me voir en train de gorger aujourd'hui. C'est pas l'Europe, c'est depuis la naissance. Voilà. Alors, nous allons partir avec... Nous allons partir avec El Bazamania, le Choco, le mannequin. Voilà, le mannequin de tous les temps. Voilà. Après, tout petit, nous allons partir avec DJ Wiz Khalifa. Et après, on revient sur mon fils Zoukalala premier. Voilà. Non, Zoukalala, il reste... Dès que toi, tu es malade. ok. Excusez-moi si j'ai parlé anglais. Je suis, tu sais, ici là on ne parle pas anglais. Nous sommes dans une ville française, mais comme j'ai fait les États-Unis là, quand je parle et puis ça vient anglais là, ça vient en même temps. C'est ça. Donc ne soyez pas tout petit. El Bazamania. Partagez la vidéo demain à 20h. Faut pas me faire honte. Il faut pas me honte devant Morla, devant l'étranger qui va venir. Il faut pas me faire honte parce que voilà, quand on est connecté seulement, vous montez, vous après ça descend. Vous André avion qui hein, faut monter, faut pas descendre. Voilà, partagez et abonnez-vous. Quand vous allez sur le truc là, cliquez là-bas, clan, ça, c'est bon. Hein? Voilà, faut pas, je sais. Oh, tout petit. Elle va à ton. Spéciale dédicace à El Baza. Non, qu'est-ce qui se passe? J'ai pas mis de l'espace ou quoi? Quoi?
Montez, 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 montez. Montez. Partagez et abonnez-vous. Partagez et abonnez-vous. Ok. C'est quoi le problème? C'est quoi ton problème? Partagez-vous. Tu veux une animation, ok? Ok, 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 c'est compris, c'est compris. C'est compris, oh. C'est compris. Donc, partagez, partagez seulement et abonnez. Tous, vous les 15 000, 7, 17 000 abonnés qui sont déjà sur la page Facebook, allez-y sur, chose, comment on appelle, allez-y sur la page YouTube, la chaîne YouTube et abonnez-vous là-bas. Comme ça, ça peut nous aider vraiment, allez-y. En même temps qu'on est en train de parler, allez-y là-bas. Ouais. El Bazamania, qu'on doit remercier, qui a fait un excellent travail dans ces deux jours. Par rapport à. Je crois que le remerciement ne sera pas moi seul, mais je crois que toute la diaspora va lui rendre un grand remerciement parce qu'un homme, il faut avoir l'esprit de partage, l'esprit ouvert pour qu'on puisse faire ce qu'on a voulu, ce qu'on veut faire.
Alors, il mérite un grand remerciement et un grand coucou de ma part aussi. Voilà, un grand coucou. Et quand on parle comme ça, allez-y vous abonner en même temps. Allez-y vous abonner, allez-y vous abonner. Et où sont les likes là? Les voilà, les cœurs là. Voilà, appuyez là-bas. Ça fait rien, ça brûle pas toi. C'est OBTA officiel, le nom de la page c'est OBTA officiel, donc allez-y. Allez-y là-bas, au BTA officiel. Elbaza! Elbaza, tu vas me pardonner quoi? Si je te dis que ce qui m'arrivait, tu vas rire fatigué. Ouais, c'est l'orthographe là. C'est ça qui m'a échappé. Toujours Louis, c'est vraiment le meilleur des gâteaux bâches. Non. Les meilleurs, c'est les meilleurs. Passion flétille. Ouais, on va donner le lien là en même temps. Caramel, c'est bon, c'est une belle portion. Passion flétille, elle nous passe. Ouais, Anelka Bijou. Bon, Chimo. Les droits d'âme, c'est tellement genre. Ça me dit toujours Louis, parce que vous venez, ouais, ce milieu. Brownie. Ah, caramel. Ok, elle passe à Mania. Vous avez vu petit, frère, voilà.
Emmanuel Ozo Collier, le papa des boucantiers. Papa Emmanuel Boumou, depuis l'Allemagne, Rémi Regéte Moukoumawa. Excellent chanteur, poli, respectueux et quelqu'un qui mérite encore votre soutien, comme tout le monde d'ailleurs, c'est Wiz Khalifa. Mon neveu, mon seul neveu à moi, il mérite votre soutien. C'est jeune, il est vraiment talentueux. Wiz Khalifa, voilà, cette fois-ci je ne me suis pas trompé d'orthographe, aïe, c'est ça. Ouais, oh non, c'est Serge Wiz. Wiz Khalifa, et américain, ok, Serge Wiz. Abonnez-vous, 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 abonnez-vous. Une série rapide. Serge. 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 Voilà. C'est déjà récupéré. Serge Wiz. C'est un arrangeur. Ok, je vais commencer d'abord à faire un freestyle de son morceau qui a cartonné, je crois, la plupart d'entre vous, vous le connaissez. Benema
m'appelle et elle est morte, maman. Appelle m'appelle et elle est morte. Venez m'appelle et elle est morte, maman. Venez m'appelle et elle est morte. Elle est morte, ben, on l'a calé. Hey, Wendy, elle est morte, ben, on l'a calé. Nickel est morte, on va. Nati, à Bogo. Venez la gagner. Y'a pas de. C'est tellement sweet là, my God! Ah, tu te mets ton des mélodies comme ça. Nous avions du talent, les frères ils ont du talent, mais on a besoin de vous. On peut faire comme les autres, mais seul vous pouvez nous lancer. Parce qu'on dit dans les jargons de chez nous, Kema Niba Boulou, Tatarantolokakumu, Beliti, Kanegakouye, on vous donne notre parole 2020. Merci. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons partir avec... Ne soyez pas surpris. Jesse, mon papa là, c'était un journaliste. Donc, hein? Quand j'ai gorge là, laissez. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons partir avec... Lui, il s'appelle Georges Loi. Georges Loi, que je tiens à remercier officiellement devant tout le monde ici. Georges Loi, c'est un artiste. Je vais vous expliquer l'histoire de Georges Loi. Georges Loi, je l'ai connu en Côte d'Ivoire lors de mon premier, où je partais faire mon concert, mon deuxième album, Bébé Yene Manhouma, où je vais fredonner un peu. Bébé Yene Manhouma, Manu Nyeta. Bébé Yene Manhouma, Manu Nyeta. Kolila Lobaga, Kwenne Lobaga. Lila Ane, Lila Lobaga. Georges Loi, un jeune que j'ai croisé à Abidjan,
jeune ambitieux, gentil, talentueux, qui m'a beaucoup soutenu en Côte d'Ivoire parce qu'il était le premier danseur que j'ai eu en Côte d'Ivoire. Il a été mon chorégraphe à Abidjan. Et à travers moi, il a décidé de... Bon, il faisait le DJ d'abord, mais après, il a décidé de faire lui-même proprement sa carrière solo. Et lors de mon voyage aux États-Unis, il a décidé de faire un hommage pour moi. Il a chanté, il m'a chanté. Voilà des voix qui ont besoin de vos soutiens aussi. Ils ont besoin de vos soutiens. Et aujourd'hui, ensemble, toutes ces voix sont réunies. Ce qui manque juste, le soutien financier, le soutien moral et le soutien physique. Parce que le soutien physique, pourquoi? Parce qu'on a besoin de vous quand on organise les concerts. On a besoin de vous. C'est ça seulement qui peut actuellement arranger un artiste. Et on a aussi besoin de vous pour cliquer, partager, abonner. Et vu. On a besoin de vous vu. C'est ça. Donc, Georges Loi a décidé de faire un morceau où il m'a dédié. Je ne peux pas le dire combien de fois il compte pour moi. Mais la vie, ce que tu vas faire, que tu n'as pas les moyens d'abord de le faire, ne dis pas à la personne. Mais, je l'ai déjà dit, j'ai dit tôt ou tard, si Dieu fait que tu deviens international, tu deviens mondial, tu deviens tu es lancé que moi, je serai reconnaissant envers toi. Mais si Dieu fait que le pouvoir là, il me donne pour que je sois celui qui peut t'aider, je le ferai sans arrêt penser parce que quelqu'un qui pense à son ami, nous faisons le même travail, mais il a décidé de faire quelque chose pour moi. Il mérite aussi le soutien. Moi, je ne parle pas trop. Mais lui, je vais vous le montrer aujourd'hui. Vous allez écouter sa musique. Je ne vais pas mettre la musique qu'il a chantée pour moi. Mais je vais mettre la musique, l'une de ses musiques, pour que vous puissiez l'écouter. Pour que ceux qui ne le connaissent pas, quand ils le voient, ou bien quand ils écoutent le morceau, qu'ils puissent dire, ah oui, c'est lui. Alors, je vous informe d'aller sur YouTube, taper Georges Loi. Le cerveau de Bazounor. C'est un jeune très gentil qui a beaucoup de talent, qui mérite aussi votre soutien. Eux tous, ils ont besoin de vous. On a tous besoin de vous. Ce n'est pas vexer quelqu'un, mais c'est juste un rappel. Il faut qu'on vous dise à chaque fois qu'on a besoin de vous. Les autres qui le font ne sont pas mieux que nous. Je vous le jure, il y a des talents chez nous. S'il y a du soutien, ils vont vous surprendre. Ils vont vous surprendre. Mais c'est ce qu'on a commencé comme ça. Voilà. Guagban, c'est ce qu'on dit en guerre, Guagban. Voilà. Donc, allez-y sur YouTube. Il faut voir les vidéos. Il faut voir les vidéos. Ils ont besoin de ça. Il faut cliquer. Il faut vous abonner sur leur page. Ils ont besoin de vous. Ceux qui ont les moyens, qui ont été déçus par des malentendus avec des artistes, je vous dis, Asia Yako. Désormais, on va essayer d'établir tout ensemble pour que ça soit bien correct et que ça ne soit pas seulement une production de... Après, ici, c'est fini. Une production de longue date. Comme genre, il y a Monzin, il y a Monzin, il y a Doumoklo, tout ça là, on va faire comme ça pour devenir comme les diamants, comme les autres qui sont aujourd'hui au top dans sur cette planète ou bien sur notre planète Afrique. On peut le faire, on peut arriver. Je vous le jure, on peut arriver. Si c'est les voix, les jeunes, ils ont les voix. Si c'est l'inspiration, les jeunes, ils ont l'inspiration. Mais on a juste besoin de vous, votre soutien. Les cliquer, les liker. Cliquer, liker, soutenir physiquement. Oralement. Les soutiens... Avec la bouche là, c'est pas d'intoxiquer les artistes, les conseillers. On a besoin de vos conseils, des bons conseils. On a besoin, ceux qui ont fait de l'informatique, ceux qui sont journalistes.
dans tous vos domaines où vous voyez que c'est lié à la musique, vraiment, on a besoin tous de vos soutiens. Venez, on va relever ce défi. L'homme sans culture, c'est comme une arbre sans racines. On compte sur vous. Abonnez-vous. Surtout, surtout, n'oubliez pas, demain, je ne vais pas avoir honte. Il ne faut pas me rendre. Il va venir demain. Ok. Donc, je crois, à chaque fois, on joue la musique et puis on cause un peu. Parce que, voilà, c'est grâce à vous. Nous sommes là et c'est grâce à vous que je suis à ce niveau. Malgré que je ne suis pas satisfait d'abord parce que vous-même, vous n'êtes pas satisfait. Donc, je compte sur vous. Mes frères comptent sur vous. Nous comptons sur vous. Voilà. Ok. Future Light was made using over 200,000 tiny nozzles to create a... Donc, c'est ça. Allez-y vous abonner. Allez-y vous abonner. Voilà. Ça, c'est Georges Loi. Le papa national.
Avec Georges Loua et à présent nous allons partir avec Zoukalala Premier. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire entre Zoukalala Premier et moi, Zoukalala Premier, il est mon fils, il est un jeune frère, un ami très respectueux, un jeune qui a besoin aussi de votre soutien. Comme tous les autres, on a tous besoin de votre soutien. Zoukalala Premier a été le premier artiste que moi j'ai produit en 2009, je crois. Je l'ai produit en 2008-2009, je crois. Si j'ai de bonnes mémoires. Je l'ai produit pour son premier album. Et moi, j'avais pas les moyens pour continuer parce que c'est ce qu'on a besoin. Si tu vois du potentiel en ton ami, soutiens-le. Nous, ici sur ce plateau, je tiens à remercier tonton Marcel Haba qui est le producteur de Zoukalala, qui a vraiment aussi donné pour la culture forestière comme tous les autres aussi, et que je tiens à remercier. Et j'avais pas les moyens pour continuer le combat, et grâce à Marcel aujourd'hui Zoukalala a atteint un niveau high level, que je vais dire l'une des stars encore de la Guinée comme les autres. Alors merci à tonton Marcel, merci à Zoukalala, et je tiens à te dire mes condoléances pour le décès de du papa. Alors, vraiment, sois courageux, et c'est une manière de te dire coucou, une manière de te saluer, une manière de te consoler, que j'ai fait ce spécial dédicace à toi et à la famille. On est ensemble, voilà quoi. Donc, je vais mettre un morceau de toi pour que tu saches que le vieux père, il t'a pas oublié, qu'il a du cœur avec toi, on est ensemble. Voilà. Voilà, et on t'entend impatiemment à Conakry pour continuer le boulot. Ok. Voilà. C'est comme ça, ça se passe. Ne soyez pas étonné de me voir en train d'égorger parce que c'est inné à moi. Je suis le fils d'un grand journaliste, père son âme. Zoukalala Premier. Sauf que c'est les autographes qui m'échappent des fois. Zoukalala. Ah oui, c'est ça. Oh, yaba. Après Zoukalala, on va causer juste 3 minutes et puis je me dis au revoir.
Je t'abandonne, tu te m'en confies. Tu as trop abusé. En Babylon, tu es couragé. Tu m'as demandé, je t'ai tout dormi, même mon cœur sans hésiter. J'ai pas mis mon beau, j'ai pas mis mes amis à cause de toi. Aujourd'hui, tu m'as abandonné. Ne me lève pas de moi. C'était un bonsoir, c'était une manière pour moi de causer avec vous, s'amuser avec vous, partager le week-end ensemble, partager les verres ensemble, comme je le fais tantôt. Donc c'était une manière pour moi de partager les verres avec vous, causer, donner les nouvelles de la semaine. Alors demain, je compte sur vous. Je compte vous voir demain à partir de 20h avec plus de vues. Il faut qu'on soit plus de 500 sur la ligne pour que demain je puisse lancer le direct avec Monsieur Abel Maxwell, l'international canadien de Toronto, qui va venir demain nous rendre visite par rapport à question de travailler sur les futurs projets. Comme on l'avait dit, relever un défi, c'est pas une seule personne. Relever un défi, ça demande tout le monde. Ça demande l'implication de tout le monde, c'est-à-dire les fans, les fans, les profanes aussi. Et voilà. Les fans,
On a besoin de vous financièrement, moralement, physiquement, cliquement, abonnement, vivement. Donc on a besoin de vous pour tout ça, parce que sans vous, nous ne sommes rien. C'est grâce à vous qu'on dit Aubin. C'est grâce à vous, on dit tout petit. C'est grâce à vous, on dit Zoukalala. C'est grâce à vous, on dit les princes de la forêt. C'est grâce à vous, on dit Georges Loua. C'est grâce à vous, on dit tout le monde. Mais à un certain moment de la vie, l'homme, il faut viser loin. Je suis bien sûr de la forêt, je suis artiste forestier. Mais pourquoi les Blancs ne peuvent pas dire oui, c'est l'artiste africain? Ça peut se faire, mais grâce à vous. Pourquoi? Nous aussi, on a besoin de disques d'or. On a besoin des trophées. Mais les trophées, tu ne peux pas les gagner tant que tu n'es pas soutenu. Vous le savez que nous travaillons bien. Vous avez dit que vous avez besoin qu'on puisse améliorer les choses, c'est-à-dire les manières de faire les clips, les manières de chanter, d'améliorer aussi le style avec faire des featuring. Voilà que nous allons commencer. Ça commence ici, ça commence à Conakry. Les autres sont au travail. Aujourd'hui, ils ont fait la réunion. Mais vous aussi, nous avons besoin de vous. Il faut que vous veniez avec nous pour relever ce défi. Car aucun, on peut le faire. On peut le faire. J'espère compter sur vous. Et je sais que vous êtes partant avec moi. Et j'espère que tous ceux qui vont m'écouter vont partager l'idée. Celui qui se sent vexé, qu'il m'excuse. Mais je demande seulement qu'on soit fort dans tous les domaines, qu'on se soutienne, que ce soit dans les services. Partout, il faut qu'on se soutienne. Nous sommes de la forêt, c'est vrai. Mais on peut aussi faire quelque chose d'extraordinaire. Pas parce qu'on est de la forêt qu'on doit être toujours en arrière. Non, on peut. J'ai réfléchi et je sais que ça peut aller. Alors, la solution, c'est quoi? C'est de se soutenir. Que ce soit dans les services. Si tu as un petit poste, tu sais qu'il y a une place, tu prends ton frère, tu le mets. Ton frère aussi, s'il sait qu'il y a une place, il le prend, il le met. Et comme ça, ça peut choser. Et comme vous savez que nous aussi, c'est nous, on dit dans notre jargon, Tomou Ozerewo, Kamou Mekama. Nous, on s'est sacrifié pour ce domaine. Kukaka Ozerewo, Kenoa. Alors, vous avez besoin de nous soutenir pour qu'on puisse dire Ayo à Bercy. Qu'on puisse dire Ayo ici, au Festival Nuit d'Afrique. Qu'on puisse dire Ayo dans les grands festivals. Qu'on puisse jouer Ayo dans toutes les grandes boîtes du monde entier. Alors, fils de la forêt, fils de la Guinée. C'est de la Guinée en général, je parle, mais je parle précisément de ceux de la forêt. On peut le faire. Donc le bar a commencé. Je ne suis pas seul. Tous les amis, ils sont à Conakry. La réunion a commencé aujourd'hui. Mais nous avions besoin de vous. Et qu'on arrête beaucoup de critiquer. Qu'on accepte de se pardonner. Parce que sans pardon, nous ne pouvons pas vivre ensemble. C'est comme la langue et les dents. Des fois, ça peut se sauger et puis ça se passe. Mais ils sont toujours dans la même bouche. Alors, nous comptons sur vous. Nous comptons sur vous. Je ne vais pas cesser de le dire parce que il faut qu'on fasse ça. C'est la seule solution pour nous d'avancer. Dans tous les domaines, il faut qu'on se soutienne. Il faut qu'on s'aide, il faut qu'on s'entraide, il faut qu'on se pardonne. Voilà. Je sais que 2019, 2018 peut être mauvais pour quelqu'un. Mais 2019 peut être... Il peut être dans une rentrée couchée en 2018. Mais en 2020, il peut être dans sa propre maison ou bien dans un immeuble. C'est comme ça le comportement. Il n'était pas bon en 2020 ou bien en 2017. Il n'était pas bon en 2016. Mais peut-être... Il peut être bon en 2020. Il peut être bon en 2019. Entrez-nous. Donnons-nous la main. Pardonnons-nous pour qu'on puisse relever ce défi dans tous les domaines.
Parce que quand je dis relever ces défis, ne croyez pas seulement que c'est dans le domaine culturel, mais c'est dans tous les domaines, parce que ces fléaux touchent tous les points de la vie dont nous menons en Guinée. Guagoplaska, ça touche. Donc, c'était une manière de vous dire bonsoir et à demain, 20h, si Dieu le veut bien. Je vous aime, je vous embrasse. Je vous embrasse. Mouah.